Le Symposium international de Montréal a été créé pour une question très, très, très précise. Dès qu'on a commencé les premières années 84, à ce moment-là, on faisait venir des gens qui, à un moment donné, c'était pour commencer nos archives. Et ça, c'était une des choses les plus importantes pour avoir des gens qui avaient une influence, qui pouvaient nous apporter une connaissance extrêmement grande. Par la suite, c'était la façon de mettre en contact nos étudiants avec tous les gens qui étaient encore vivants et qui étaient en contact avec les premiers de l'ostéopathie, de façon à ce que la mémoire de l'ostéopathie, telle qu'elle était enseignée au tout début, ne dérive pas. Donc le « keep it pure » de Hondo Telesteel, c'était le motus vivendi. Et c'est pour ça que le Symposium international de Montréal a été créé. Il est aussi un symposium international parce qu'une des choses qui était aussi importante que Philippe a créé dès les premiers temps, c'est que dès que ça a fait, c'était de créer, d'être un moteur pour que les étudiants fassent de la recherche. Alors à ce moment-là, il voulait avoir des pairs qui puissent venir évaluer ce que les étudiants, d'abord les évaluer d'une première part, et ensuite venir écouter leur présentation de thèse qu'ils avaient, de façon à pouvoir les aider à améliorer la recherche en ostéopathie, ce qui est la chose la plus importante. Ce qui a fait qu'on a ramené chez nous une dame, Madame Wales, à 94 ans, Monsieur Scully, Monsieur Harold Magoon, Monsieur Mitchell, tous des grands noms d'ostéopathie, et j'en oublie, qui avaient influencé, qui étaient porteurs d'abord des élèves de Sutherland et des professeurs avec Sutherland. Alors on était en ligne directe avec les créateurs et de l'ostéopathie crânienne et de l'ostéopathie tout court. On a eu le fils aussi de M. Steele qui est venu nous voir. Alors ce sont tous des gens qui nous ont apporté un petit peu quelque chose de l'origine. Ça veut dire qu'on ne voulait pas dévier de cette forme-là. Alors l'ostéopathie, les symposiums, c'est ce que ça permet d'apporter. Ça permet d'apporter le « keep it pure », mais ça permet aussi d'apporter ce qui à partir de là, s'amplifie et prend de la valeur à partir des formations ou de la précision qu'on apporte dans les connaissances. Alors, et pour les étudiants comme tels, c'est une source énorme. Il n'y a aucun endroit au monde qui a eu des étudiants de première année qui ont pu être en contact avec une Viola Freiman ou avec un Dr. Scully ou avec une Madame Wales. Aucun endroit au monde, puisque ces gens-là, quand ils étaient invités, c'était toujours pour des postgradués. Et nous, tous les étudiants étaient, les rencontraient, leur parlaient, leur touchaient. Comme d'avoir pu rencontrer M. Schiller qui vient de venir, c'est un personnage absolument unique et qui a apporté énormément. Alors ce sont tous des gens qui apportent quelque chose, qui nous apportent quelque chose de plus et qui nous convainc qu'on est dans la bonne voie. Et en plus, ce sont des gens qui participent à l'évaluation de des mémoires maintenant qui sont faites. Ce qui fait qu'on a vraiment un jury international, puisqu'il arrive quelques jours avant, et ils puissent participer et bien aider les étudiants à poursuivre leur travail de recherche. Alors, ça a été d'abord et avant tout d'avoir un jury international, mais qui après ça nous apportait leur connaissance et leur savoir-faire et leur savoir-être aussi, parce que c'est souvent ce qu'on retient le mieux chez ces personnes-là. Alors c'est une richesse de plus parce qu'on était en contact avec tous ces gens-là.